Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la manche 4 du championnat 1997 de Formule 1 sur le circuit de Imola à Saint-Marin. Et donc nous allons passer à la séance de qualification. On va démarrer tout de suite. Alors on verra à Imola ce que ça va donner. Je ne sais absolument pas ce que ça va rendre par rapport aux deux courses d'avant. J'espère que ça sera un peu plus potable pour nous. En tout cas, niveau réglage, je suis assez content. La voiture est assez maniable. Bon, à voir après la vitesse de pointe, hein, qui me semble toujours le gros problème. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Parti. Donc, l'ancienne configuration d'Imola. Alors, pas celle de... pas celle de 94, bien sûr, mais... pas celle actuelle non plus. Avec toujours la dernière chicane. La chicane de fin qui est toujours présente. Donc là, le plus dur, c'est vraiment les pif-paf. Parce qu'il faut garder une bonne vitesse, mais sans trop sortir large en fin de course. C'est incroyable, ces pilotes ont affaire à une machine qui ne pèse que la moitié d'une voiture de série. Une Formule 1 peut accélérer jusqu'à 250 km/h en 6 ou 7 secondes. Typiquement, j'ai raté totalement la sortie. J'ai perdu beaucoup de temps à l'accélération. Et là, je suis complètement parti tout droit. Bon, du coup, ce sera à refaire. Alors, je vais essayer de ne pas cutter entièrement la chicane, hein, ce qui va être très dur. Avec la règle des 107% des dernières années, nous voyons que les écuries du fond de grille ont dû consacrer plus d'efforts et de temps pour s'assurer qu'elles étaient compétitives. C'est la raison pour laquelle l'écart entre les temps de qualification des écuries de pointe et de celles du fond de grille est nettement réduit. Voilà, le temps va être très nul, hein. 24-8, c'est assez mauvais. C'est la pole pour le moment, mais... va pas le rester. Troisième. Quatrième. Cinquième vitesse. Sixième vitesse. Et les livreurs sont très piégeux. Par ce temps, il est en retard au premier temps intermédiaire. Ouais, le premier secteur était plutôt bon, c'est vraiment après que ça a pu aller. Je ne pense pas qu'il arrive à améliorer son temps, il est en retard au deuxième temps intermédiaire. Voilà, on est bien ressorti, on va pouvoir reprendre de l'avance et améliorer. A priori, pousser une voiture de course au maximum de ses limites est plus une question de tête que de cœur. 1972, pour vous donner l'écart. La passion. Hein, donc on a 3 secondes 7 de retard, on peut faire mieux, hein, je le sais. Mais va falloir pas se louper. Et là, je me suis loupé. Je regarde les temps de qualification maintenant. Il va moins vite que le meilleur temps au premier intermédiaire, mais il améliore ses chronos personnels. Quatrième. Cinquième. Troisième vitesse. Ah, c'est vraiment ici que je perds du temps à l'accélération. Au deuxième intermédiaire, il est en retard par rapport à son tour le plus rapide. Ce dérapage, bon, j'ai complètement loupé mon tour, mais alors en essai libre, j'ai pu aller jusqu'en 21, donc on va essayer quand même de faire mieux. Et si je compare ce temps, il est en retard au premier temps intermédiaire, mais plus rapide qu'il ne l'était lors de sa meilleure performance.
Il est en retard sur le leader au deuxième temps intermédiaire, mais son temps personnel s'améliore. J'ai pu réussir à sortir à fond. Troisième. Il rétrograde en seconde. Il rétrograde en première. Deuxième. Ouais, je fais un peu mieux, mais c'est pas trop ça. 22,5 encore. Il est déjà en retard au premier intermédiaire et il fait même moins bien que lors de ses meilleures performances. C'est vraiment le secteur 2, hein, qu'il va falloir améliorer. Ok, jetons un œil sur les temps de qualification enregistrés jusqu'à présent. Il est en retard au deuxième temps intermédiaire, mais il a amélioré ses résultats précédents. Il a fait un travail fantastique. Ah, 22,6, c'est moins bien. C'est dans un grand prix comme celui-ci que ses nombreuses années d'expérience en Formule 1 vont faire la différence. Je regarde les temps de qualification maintenant. Il va moins vite que le meilleur temps au premier intermédiaire. Ah, j'ai fait pas mal là, niveau premier point et secteur. Il passe la cinquième. Cinquième. Il rétrograde en seconde. J'ai trop rétrogradé. Du coup, j'ai pas d'accélération. Il est en retard sur le leader au deuxième temps intermédiaire, mais son temps personnel s'améliore. Les ailerons avant de ces voitures ont dû être modifiés ces dernières années. Ils sont maintenant plus épais et plus arrondis aux extrémités de façon à diminuer le risque de collision. La dernière chicane. Et c'est mieux, 21,9, 2 secondes 8. Allez, on tente enfin un dernier essai. Voyons combien il fait par rapport au temps de qualification précédent. J'ai un peu en retard, mais je pense que c'est encore jouable. Et il fait même moins bien que lors de ses meilleures performances. Ah, dommage, j'ai glissé. Au deuxième temps intermédiaire, il est un peu en retard sur son meilleur temps. Bon, on va voir si on peut faire mieux, puis on s'arrêtera là. Ah, 22,2, ça sera pas assez. Enfin, fin de qualification, on va revenir à la configuration de la voiture. Et du coup, le chargement. On va démarrer du coup la session. La course, on verra. Hein. Alors j'ai cru voir, j'ai essayé de passer le plus vite possible pour pas voir la position. Mais apparemment, on n'est pas dernier, c'est déjà ça. Bienvenue sur le circuit Enzo et Dino Ferrari qui accueille aujourd'hui le Grand Prix de Saint-Marin. Ce circuit a été baptisé ainsi en l'honneur du père et du fils qui ont fondé l'entreprise de construction automobile, probablement la plus connue au monde. Ce circuit se situe au cœur de l'un des plus beaux paysages italiens et connaît peut-être le public le plus passionné de toute la saison de Formule 1.
Les chicanes ont ralenti ce tracé très rapide à l'origine, mais il n'en demeure pas moins très intéressant. Ok, c'est parti, donc on va partir 19ème, notre équipe qui a fait mieux en 17ème place. Les pilotes occupent leur place sur la grille maintenant et se préparent au départ. Les feux rouges commencent à s'allumer. Et c'est parti. Allez, c'est parti, on est 19ème. On va essayer de bouchonner un tout petit peu les Minardi pour le moment. Ils filent vers le premier virage. On va essayer de prendre le meilleur. Oula, il m'a légèrement tassé. Alors non, mon coéquipier, c'est pas le moment. Bon, c'est légèrement touché, mais ça va. Bon, ce qui va être compliqué, c'est vraiment ce secteur-là. Hein. On va avoir vraiment du mal. On va voir en course si on peut faire mieux. Allez, une seconde 7, une seconde 9 de retard sur mon coéquipier. En tout cas, ce qui est bien, c'est que je sais que je peux remonter dans cette zone-là. Ok, on va essayer de voir si on peut passer à la 15ème position. Nous voilà dans le deuxième tour maintenant. Ça y est, il comble l'écart. Oui, il y a un carambolage, j'ai l'impression. Je suis passé juste ouais, comme il fallait. Alors, est-ce que je peux tenter à l'intérieur? Ouais. Oula, attention là. C'est incroyable. Ah, Jordan. Et on a tout perdu. Voilà. En l'espace de 4 secondes. Voyons comment se compose le classement maintenant. En tête de la course, Williams numéro 1. C'est dommage, hein, parce que là on était bien. Bien revenu. Troisième, Michael Schumacher. Quatrième, Gerhard Berger. À la cinquième place, Ralf Schumacher. Ouais, là je m'enfonce complètement. Si je jetais un coup d'œil à leur performance autour, ils tournent moins vite que l'homme de tête. Ah, c'est dommage, le petit vieillard là qui nous a mis Henri sur le côté. Il a l'air d'avoir un beau bouchon devant en tout cas. Ça me permet de revenir un peu. On est encore qu'au troisième tour, hein, donc ça, on peut remonter, mais là... Troisième tour maintenant. Allez, du coup... Il remonte, c'est sûr. Allez, on a recollé. Ouais, c'est vraiment après la chicane où je peux reprendre des positions, je pense. La distance s'accroît. C'est bon. Prendre l'aspiration. Quel dépassement spectaculaire. Oh, je réussis pas à y toucher, surtout. Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement? À la 17ème place, Jan Magnussen. À la 18ème place, Mika Salo. À la 19ème place, Pedro Diniz. Du coup, on a Magnussen à aller chercher. Le qui le précède va commencer à s'inquiéter après avoir pris connaissance du temps autour de son adversaire. Il remonte. Ah, c'est dommage parce qu'on a, quand même un bon rythme là. On pourrait être presque remonter à la régulière sur le top 10. L'écart se creuse. Chicken qui nous aide bien. Il
Ouais, on va avoir l'aspiration. Sur la Stewart, ça c'est bien. Il vient de heurter Magnussen. Oh, Arte, on s'est à peine effleuré. Hein. Les premières positions sont: premier, Hans-Harald Frentzen. En deuxième position, Williams numéro 1. Ouais, pas mal. Bien passé, beaucoup beau dépassement là. Michael Schumacher. Quatrième, Gerhard Berger. À la cinquième place, Ralf Schumacher. Ah, j'en veux vraiment du premier incident place, là. Jean Alesi. En tout cas, ça fait du bien de revenir sur un circuit où on peut un peu se battre, et pas seulement subir. L'écart se creuse. Ouais, la chicane, c'est vraiment là où je gagne du temps. Il a réussi à dépasser Barrichello. J'ai un peu loupé, pas quand on sortit. On a passé la mi-course. Ça y est, il comble l'écart. Faut vraiment que je loupe aucun de mes tours pour pouvoir remonter. Et l'écart se comble. Ouais, ils ont l'air quand même un peu moins rapides en course qu'en qualification. Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement? À la 7ème place, Shinji Nakano. À la 8ème place, Eddie Irvine. J'ai complètement loupé la corde. Giancarlo Fisichella. Il recule un peu. Moi, je suis au niveau de mon équipier, c'est déjà ça. Stupéfiant. Alors. Ça y est, il comble l'écart. Quand allez, hop, on va dépasser. On profite. Vous, pas être vous êtes attaché, vous ressentez chaque mouvement, vous faites corps avec la voiture. Ouais, c'est là, il va falloir faire gaffe si je passe à l'intérieur. Ouh là là. Bon, alors par contre, je m'attendais pas à ça. Il est entré en collision avec Panis. Je m'attendais pas à me faire percuter autant. Bon, maintenant qu'on est un peu seul, on va voir si on peut remonter. Alors, qui est 12e? Je regarde maintenant le classement de la course. En premier, Hans-Harald Frentzen. En deuxième position, Williams numéro 1. En troisième, Michael Schumacher. En quatrième position, Gerhard Berger. À la cinquième place, Ralf Schumacher. En sixième position, Jean Alesi. Ouais, 3 secondes, Dès qu'il franchit la ligne, il ne lui reste que 3 tours à faire. Ça va être difficile de rattraper Coulthard, mais bon, on va essayer. Ah, je me suis loupé. La distance s'accroît. Ouais, 5 secondes 7, j'ai vraiment raté le premier secteur. Il ne reste que 2 tours pour décider de l'issue de cette course. Ok, voyons maintenant comment se placent les pilotes après les 6 premiers. À la 10ème place, Johnny Herbert. 11ème, Mika Hakkinen.
à la 12e place. Oh, les deux McLaren sont 11e et 12e, quoi. Complètement à la rue. La distance s'accroît. Ah, j'ai pas réussi à pas couper là. Non, je vous montre pas, il reste un tour. Nous sommes dans le dernier tour. Une seconde lutte, c'est même pas la peine d'y penser. Il remonte, c'est sûr. Ah, c'est vraiment le secteur intermédiaire dans cette zone-là. Les premières positions sont premier, inexistant quoi. Deuxième, Williams numéro 1. C'est une victoire pour Hans-Harald Frentzen. Ah ben comment vous voyez, que cette victoire va 97 faire il avait gagné. Williams et à toute l'écurie Williams. Deuxième, Williams numéro 1. À la troisième place, Michael Schumacher. Bon, je pense que même sans l'accident, ça aurait été difficile, hein, parce que devant ils sont super rapides. Et du coup, on va terminer en troisième position. Bon, bah c'était un peu mieux qu'en Argentine en tout cas, mais c'était pas folichon. Bon, c'est sûr, c'est qu'avec nos 10 points de début de saison, on fait mieux que Tyrell en 97, mais bon. Alors, du coup, Frentzen emporte la course devant Villeneuve, Schumacher, Berger, Ralf Schumacher, allez-y. Et du coup, ça va permettre à Williams de vraiment reprendre du poil de la bête. Et on est juste dans le top 6 avec nos 10 points. Schumacher qui prend la tête du championnat devant Frentzen, Villeneuve, allez-y, Berger, salaud. Ok, donc niveau classement, c'est assez serré quand même. On est quatrième au championnat, Williams qui prend la tête sur Ferrari pour un petit point, Mayton qui est troisième, on reste quatrième, Jordan McLaren, les six équipes qui ont marqué des points. Et du coup, on se retrouvera à Monaco, où là ça va être très très intéressant je pense, alors je sais pas si on va être au niveau ou pas, mais ça va être intéressant dans le sens où c'est un circuit un peu sinueux, alors pourquoi pas. En tout cas, je vous dis à la prochaine pour la suite, ciao tout le monde.